Après plus que 3 ans dans un combat entre John Colin Morven et Johnson Napoleon, eh bien John Colin Morven arrivé fait mea culpa pour demander Johnson Napoleon pardon pour tout ça li qu'on a dit sous dolio. Déjà nous connaît qui dégâts causé ça fait sur internet là. Il y a un pile bagaille qui dit, il y a un pile dommage qui fait, mais t'assembler petite dessaline, t'arriver mettre tes testicules en valet et joindre yo entente. Entendez, John Colin Morven cap mandé Johnson Napoleon pardon pour toute saleté qu'on a fait passer sur internet là. Bonsoir tout le monde, vidéo ça me fait spécialement pour m'adresser à Johnson Napoleon que depuis 2020, nous tenu une série de propos qui partent important. Des trucs que nous t'ai dit qui pas nécessaire parce que me bat vraiment contre Johnson Napoleon et vraiment et pendant 3 ans ça que c'est du bien seulement moi sur les réseaux sociaux que Johnson Napoleon a fait sur le plan culturel je suis porté support la communauté haïtienne et aider tant d'autres jeunes à émerger à faire business tout ça et avant de me continuer plus me dit monsieur félicitations parce que me bat contre cette dimension vraiment mon zao l'itayé et puis ça te vient prendre 2023 me dit que on est pour ça moi qui a fait tout bah ça vous avez raison pour me aller au mois de septembre pour me aller dans la justice avec monsieur comme si l'arrivée devant la justice c'est pas ça que on va dire des nègres et puis devant qui est devant juge blanc et comme si me sentir diminué comme petite Dessalines et Johnson Napoleon tout petite Dessalines en tant que haïtien en tant que américain d'origine haïtienne moi-même en tant que canadien d'origine haïtienne me sentir vraiment plat pour me dire des choses négatives dans le monde moi qui fait toute bagaille ça au cours des 3 dernières années ça OK surtout ça le fait déjà me battre connaît c'est pour ça frère Johnson Napoleon me présente excuse-moi. Et non, question de classe bourgeois noire que moi-même spécialement m'a prôné, m'a prendre naissance dans le pays d'Haïti, parce que avec comme influenceur, avec fan de BG International, on est temps pour quand même capitaine classe bourgeois noire pour nous retirer le pays à côté de l'IA parce que c'est nègre noir qui reconnaît valeur nègre noir. Et moi, c'est fan de BG, on va le camper d'ailleurs, dès après que je finis deux textes à eux qui présentent aux excuses et avec toute sincérité, mon bonheur. John Golem Morven Bagan, rien contre tout. Tenu, tenu en 2020 jusqu'à 2023. Même 2023 là-dedans, c'est des bagages qui ne peuvent pas camper sur rien et me faire rétraction dans bout de vidéo ça de tout ça me dit de vous et me via deux textes français créole me lire là pour vous et m'a demandé tout blogueur tout fan de BG International poster au tout côté et m'a demandé technicien tout mettez toute vidéo ça sur toute plateforme de BG International yo dès après me finir là mon cher me salue et en pile l'amour vous ferme me lire me gado et comme si c'est dans membre dans famille mon sorti et mes frères qui réussit même j'avoue même pas quoi avoir me félicite surtout n'était le cité non pas qui était mouillé déjà non détail c'était bagage personnel litéyé c'est manque d'expérience moi dans micro qui était fait ça et ça style de bagage ça pas répéter encore pour me rappeler ça sale réputation dans ça mon cher excusez et dans texte moi vous comprendre ça et me faire rétraction de toute ça me dit de vous. Aujourd'hui je dois vous parler d'une situation dont je suis pas fier en effet. J'ai commis des erreurs graves envers un membre estimable de la communauté haïtienne. Ces erreurs, j'en suis le seul responsable. Je vais donc tout d'abord m'adresser à lui, car je veux lui présenter mes excuses. Johnson Napoleon, monsieur Johnson Napoleon. Je comprends maintenant la douleur et le désagrément que je vous ai causé. J'en ressens, monsieur Napoleon, du remords. La manière dont les erreurs se sont produites résulte de mon manque d'expérience et de manque de rigueur dans ma pratique médiatique. Ce que je regrette sincèrement, je réalise maintenant que le fait de tenir un micro est un privilège et qu'il ne faut pas en abuser. De telles erreurs similaires ne se reproduiront plus à l'avenir et je ferai preuve de plus de professionnalisme dans mes propos. Monsieur Napoléon, je suis désolé. Je comprends que mes propos envers vous n'étaient pas exacts. Je regrette le tort que j'ai pu causer à votre nom et votre réputation en Haïti, Chili et même aux États-Unis. Mon désir, monsieur Napoléon, est que vous vouliez bien un jour me pardonner. Je m'adresse maintenant à vous tous. Il est bien connu que monsieur Napoléon a réalisé de nombreux accomplissements et contributions positives envers sa communauté. Il a travaillé dur pour arriver là où il est maintenant. Il avait donc à ce que son honneur et sa réputation soient reconnus. Le propos que j'ai tenu à son endroit depuis 2018 et qui ont pu le blesser et même tenir sa réputation était sans preuve ni documentation. Et d'autres termes, ces propos n'étaient pas exacts et n'auraient pas dû être tenus. En particulier, les allégations suivantes que j'ai faites sont inexactes. Allégations au sujet de sa participation et de mauvaise utilisation des fonds pétro-caribé, blanchiment d'argent et participation à des activités de corruption. Napoléon, monsieur Napoléon, n'a rien à voir avec de telles situations. Allégations au sujet de sa participation à des activités criminelles. Monsieur Napoléon n'a rien à voir avec de telles situations. Au sujet du collège Azur,
que dirige M. Napoléon, cette institution n'a à voir ni avec du blanchiment d'argent, ni avec de la mauvaise utilisation de fonds de Pétro-Caribé. Je reconnais que le Collège d'Azur a remis des bourses d'études et à des étudiants d'origine haïtienne et que c'est sous cette forme qu'un montant de 400 000 a été distribué ainsi dans la communauté. Au sujet des activités commerciales de M. Napoléon au Chili, mes propos étaient sans fondement. Enfin, j'ai tenu sans raison des propos envers le défunt père de M. Napoléon, M. Sainte-Croix Napoléon, également par respect pour sa mémoire, il y a lieu de rappeler que les accomplissements réalisés par celui-ci similaires à ceux de son fils. C'est au nom de M. Sainte-Croix Napoléon que je vais d'ailleurs faire une donation à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Je reviens à vous, M. Napoléon, car je souhaite à nouveau vous réitérer mes excuses. Vous pouvez être certain que je prends la situation au sérieux et reconnais les pas de mes actions. Mon désir est de restaurer la confiance entre nous et que vous repreniez le cours normal de votre vie. Ça, c'est le texte en français. Le texte créole, je vais lire pour vous. Fanatique John Colin Morvan, fanatique de Végimio, je dis à moi de parler avec nous de yon situation qui m'a fier de lui du tout. Qui s'allie? Moi, passé de janvier 2020, depuis l'homme tenant Radio Écoute FM en avril 2023, à parler de nous de yon membre valable dans la communauté haïtienne. Je dis à moi, vin dis nous que, ça m'te qu'on a dit sous, monsieur, ça, c'est pas de bagaille qui m'a preuve. Ni tout, m'pas qu'à prouver. M'fait en pile RL, l'homme t'a parlé de monsieur ça, RSA yo, c'est moi celle qui est responsable yo. Donc, premier bagaille, moi, pour le faire dans la vidéo ça, je vais parler avec lui directement parce que moi, je voulais demander l'excuse en public. Monsieur Johnson Napoléon. Pour moi, comprendre la douleur à très cas, bagay moi dit sous yo, faire au passé. Moi, senti yo, monsieur Napoléon, et moi, j'ai regret dans le cas que je jamais mis tête moi dans la position ça. Faut que moi dit yo, moi, pas gain assez d'expérience dans les affaires médias. Ça qui fait vraiment regret. Pour moi, réalisé que qu'elle est micro, c'est un privilège, et moi, avec l'autre monde qui gagne micro dans mes noms, yo, pas ta doué abuser pour les arts. Moi, prends engagement pour ne pas faire erreur comme ça encore dans l'avenir. Et moi, prêt à le montrer plus professionnaliste dans la parole, moi, yo, et j'en m'approche de ces yo. Monsieur Napoléon, moi, désolé. Je comprends que les bagailles, moi, te dis sous yo, pas de vrai. Moi, regrette que les paroles, moi, yo, fait wabi. Et yo, sale réputation en Chili, Haïti, et États-Unis. Et deuxième, monsieur Napoléon, c'est pour yon jour, ou pardonnez-moi, t'as pris. Quittez-moi parler kounia, nous, fanatiques, avec BBJ, yo. Nous tous connaissons que M. Napoléon réalisait un pile gros bagaille et il contribuait à bagaille qui positif dans la communauté. Il travaille en pile et dans conditions qui difficiles pour arriver au télé Kounia. M. Napoléon a doué Kounia a joui tout droit à l'honneur réputation. Ça, il bâti à Pali. Et je reconnais ça. Parole moi dit sous lui depuis 2020. Yo, sale réputation. Bagaille moi dit sous lui, yo, t'es sans preuve. Et jour que je dis, je n'ai aucun document qui peut prouver samedi. Pour me dire non bien, parole ça, yo, pas de vérité. Et je n'ai pas de tout. Je dis, en pile bagaille sur M. Napoléon et la famille, je voulais adresser ça en particulier. Concernant la participation de M. Napoléon dans la mauvaise utilisation du fonds Pétro-Caribé, laver l'argent pour les politiciens ou sa participation dans l'activité de corruption, M. Napoléon n'a pas rien pour avec l'argent Pétro-Caribé. Je ne vais pas prouver ça, je dis nous. Je dis nous que M. Napoléon participait dans les affaires de drogue et l'autre activité criminelle. Monsieur Napoléon n'a pas rien pour avec les affaires de drogue et je ne vais pas prouver ça, je dis nous. Concernant Azu Collège, M. Napoléon a dirigé l'institution ça, pas dans laver l'argent Pétro-Caribé, vrai. Et il n'a pas fait mauvais utilisation fonds Pétro-Caribé, vrai. Moi, reconnaître que Azu Collège, t'es bail bourse d'études pour étudiants haïtiens, t'es qu'à étudier aux États-Unis, et $400 000, c'est l'argent pour payer pour étudiants. C'est pas de l'argent, l'étape lavé pour moun qui habitait, qui lapidait l'argent Pétro-Caribé. Moi, je voulais nous clair sur ça. Concernant l'activité commerciale, M. Napoléon gagné dans le pays Chili, on pas de aucun papier ni preuve qui a supporté parole, m'a dit nous. Finalement, on te dit, il y a un paquet de paroles sans aucune raison. Sous papa, M. Napoléon, M. Sainte-Croix Napoléon, bon, son, je me sentis sans respect pour mémoire, M. Sainte-Croix Napoléon, que d'après Sam Ving Konen Kounia, qui était un monsieur qui travaille dit pour Petit Clio, il est côté Yoye, je dis, pour ça, demander M. Napoléon, pardon, Jean-M. Napoléon demandé, moi prends engagement pour m'bail l'école journaliste, non, faculté sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Yo donc, non, papal, M. Sainte-Croix, Napoléon, pour aider former futurs journalistes pour Haïti. Je vais tourner encore avec vous, M. Johnson Napoléon, parce que je voulais encore répéter, excuse-moi, au public à vous. Pour qu'à Siro, que je prends situation ça, monsieur, je prends situation ça sérieux, et je reconnais l'impact de parole, je ne peux pas prouver. Il y a sous-vie personnelle, santé, sous-business,
et sur vie petite ou yo. Deuxièmement, c'est pour nous faire ça capable pour nous rétablir confiance qu'on a gagné dans la société. Avant de commencer à parler de vous sur internet là, pour qu'à continuer à vivre la vie ou dans la normalité, gens ça t'aillé pour John Colin Morgan. Et j'aime d'abord dire nous, obligé faire vidéo ça, vous excusez auprès de Johnson Napoléon, parce que c'est pas ouais John Colin Morgan, petite Desaline, qui va camper en face de Napoléon, jeune garçon qui a aidé dans le pays d'Haïti et dans la communauté côté la fonctionner. Bon, dans toute communauté haïtienne, comme il y a un membre valable, côté Kembal dit des trucs qui pas nécessaire devant juge à l'étranger de Johnson Napoléon. Et monsieur Johnson Napoléon, pardonnez-moi et acceptez, excusez-moi ça, vous voyez Bali là, via vidéo ça. En pile là, mon frère, fanatique de BG, fanatique Johnson Napoléon, monsieur que nous comprenons tout bagaille, tout le temps nous venons plus dimension, nous venons plus professionnel, son respect lié, Johnson Napoléon, habitile, côté Palme, habitile, côté Palme, et on leur, nous tous les deux, a fait même bagaille dans le pays d'Haïti, l'app dans businessman, l'app jeune support comme influenceur, l'app jeune support l'autre, moi même nous en pile et moi même fanatique Johnson, moi même fanatique John Golem Morvan, et monsieur Johnson Napoléon, gain dimension pour accepter excuse publiquement et continuer de travailler. Merci en pile tout le monde.